Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Bébois. Cette semaine, je me fais un chariot ou traîneau de coupe pour ma scie sous table Metabo, la TS254. J'ai fait une vidéo là-dessus sur la présentation de ma scie. Je vous mets le lien là-haut et dans les descriptions, juste en dessous. Mais c'est bizarre, on dirait qu'il y a un truc qui a changé là, dans l'atelier là. Je vois pas bien. Bon. Allez, c'est parti! Alors, pour la fabrication de ce chariot de coupe, je vais utiliser du bois de chaque côté, bois de récup, un rack pour faire mes butées, vous verrez ça dans la vidéo. Ensuite, moi ce que je vais faire, je vais utiliser un plateau qui va venir ici sur ma scie, et moi il va venir en butée ici pour ne pas dépasser la table. Ça donnera une coupe complète. Ici, comme ceci. Ensuite, ce que je vais utiliser pour les guides, souvent on utilise du bois. Alors, pour les guides, dans les rainures ici, on utilise du bois. J'ai eu des mésaventures, le taux d'hygrométrie change dans le garage, donc les pièces rétrécissent. Moi, ce que je vais utiliser ici, c'est du polycarbonate. Alors, polycarbonate, à ne pas confondre avec le plexiglas. Je vous explique. Polycarbonate, c'est une matière dénommée souvent macrolon, ça c'est la marque. C'est une matière qu'on peut utiliser dans les machines-outils pour les carters de protection. Comme ça, en cas d'envol de la pièce, elle arrive dans le carter, elle ne passe pas à travers le carter. Parce que ça résiste vraiment au choc. PMMA ou plexiglas, c'est ce qu'on retrouve dans les bricots-dépôts, dans les GSB, dans tous les magasins de GSB, Bricot, Le Roi, etc. Donc là, ça, faites attention parce que le plexiglas, c'est vraiment cassant. Déjà, quand vous le travaillez, s'il y en a certains d'entre vous qui l'ont déjà travaillé, quand on le perce, tout ça, ça explose, ça éclate. Moi, ce que je vous conseille d'utiliser plutôt, en toute épaisseur, c'est du polycarbonate PC de la marque. Il y en a différentes, mais Macrolon, souvent, c'est la marque qu'on trouve un peu partout. Allez! On va usiner, on va découper tout ça et on va monter notre chariot. C'est parti! We'll be right back.
Bien, bon, ça y est, le chariot, il est maintenant assemblé. Vous avez vu, j'ai mis les guides en dessous. Vous avez vu l'usinage, surtout, on utilise du polycarbonate, PC. Ça marche super bien, ça s'usine super bien comme du bois. Là, j'ai réglé l'arrière du guide pour avoir une coupe parfaite. On va se rapprocher, je vais vous faire voir les calculs, les exemples, comment on fait pour justement, en fonction qu'on détermine l'épaisseur ici ou ici, l'inclinaison du guide. Allez, on regarde ça de plus près. Alors, ici, on a notre guide qui vient d'être monté. Voilà. On a la coupe ici au centre. Et ce qu'on va déterminer ici, c'est la position de la butée arrière. Donc là, il y a deux choses importantes à faire. C'est que, on va dire ici à l'axe, suivant la longueur du guide que vous avez, moi ce que j'ai pris, c'est que j'ai pris ici, de chaque côté, 300 mm, ce qui me donne donc les 600 mm du point de pivot. Donc j'ai fixé une vis ici. Et ici, ensuite, ça sera la vis que je pourrais fixer. Je suis venu, vous avez vu, faire mes 4 coupes. Ce qui m'a donné une pièce, une première pièce. Surtout, ce qu'on n'oublie pas ici avec la première pièce, c'est d'indiquer le sens de la coupe avec la flèche. Donc moi, à la fin, j'avais ma pièce qui était débitée, qui s'est retrouvée ici. Je vais amplifier le phénomène. Et à la fin, elle s'est retrouvée comme ça. C'est-à-dire que j'étais de biais. J'ai mesuré. Donc, on mesure la pièce en bas qui faisait 9 mm et en haut à 9,5. On mesure aussi la distance que vous avez entre les deux. Moi, ici, j'avais 150 millimètres, et ben donc j'ai coupé 4 fois, donc j'ai produit 4 fois l'erreur. Donc l'erreur ici, 0,5 mm, on le divise par 4, ce qui me donne une erreur d'un dixième de 0,125. Je pouvais le laisser, je pouvais être correct, mais c'est sur une hauteur de 150 qui l'augmente parce que c'est un triangle rectangle en fonction de la longueur de la pièce. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'on prend ici l'erreur. Donc, l'erreur 0,125. Ensuite, on va prendre divisé par la longueur de la pièce, 150. Le tout multiplié par la distance, qui est très importante, la distance ici entre vos deux points de pivot, qui est, moi dans l'exemple, de 600 mm. Ce qui me donne 0,5 mm. Ça veut dire qu'ici, je dois bouger. Donc, pour redresser la pièce, pour la couper plus droite, vu qu'elle est plus large sur le haut, je dois venir ici, intercaler ici, entre les deux. Donc, on va prendre une pièce, on met contre, on intercale une pièce ici de 0,5 mm. C'est ce que je fais. Je regarde donc le test 1, je reprends, je bouge ma cale, je règle ma machine et là, je fais exactement la même chose. Je me retrouve avec une cote différente. Donc là, je me retrouve avec la cote de 4, alors je vous refais le dessin. Je me retrouve avec la deuxième pièce. Ici, la deuxième pièce de contrôle. J'avais ici 4,8 et en haut, j'avais 5. Ce qui me fait 0,2 mm d'erreur que j'ai divisé par 4. Du coup, je me retrouve à 0,05
5 mm. Ce qui me fait que moi, pour la pièce que j'ai actuellement, j'ai sur les 150 mm, bien sûr, j'ai une erreur de 0,05 mm, très minime. Voilà. Allez, maintenant, on continue. On va faire les deux systèmes de butée. Bien, voilà, ça y est, ce projet est maintenant terminé. Donc vous avez vu, ça y est, l'usinage de mon chariot. J'en suis super, super content. Vous avez vu, j'ai eu un petit souci avec la charnière parce que j'avais acheté une charnière pas très chère que j'avais dans l'atelier. Hein. Bon, il y avait trop de jeu à mon goût. Du coup, ici, ça bougeait de 1 ou 2 mm. Alors, régler un chariot de coupe à moins d'un dixième et avoir un défaut de longueur de 2 mm, c'était pas possible. J'ai changé la charnière. Et là maintenant, ça y est, j'ai une charnière beaucoup plus rigide, ce qui fait qu'ici, j'ai vraiment peu de flexion. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne DB Bois. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Activez la petite cloche pour me suivre. Un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir aux créateurs. Partagez, commentez, allez-y, faites-vous plaisir, allez-y dans les commentaires, j'en ai de plus en plus. C'est super intéressant parce que ça me fait évoluer aussi. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao !